Le plus grand de tous les sorciers et de toutes les sorcières. Aujourd'hui, je t'ai apporté quelque chose de très spécial. Quelque chose que tu as demandé. Le voici, présent au Kokoane. Je suis là encore, le dieu du royaume de Osama. C'est une nouvelle saison. Révèle-moi si le temps est proche. Je veux avoir la connaissance du temps. Quand est-ce que l'objectif sera atteint? La grand-mère de toute la terre, je veux avoir la révélation de l'avenir. Et le temps propice de la venue du fils de ce royaume, le prêtre qui doit naître pour servir au sacré sanctuaire. Je m'humilie devant toi, la grand-mère de toute la terre. Je suis au courant de la guerre qui est devant nous. Mais ma plus grande joie et d'amener la prophétie à son accomplissement. La princesse attend le temps. Lève-toi, ma fille. Je sais que tu es choquée pour ma soudaine apparition. C'est pour le bien
Va dans ta chambre. Et attends. Attends, car le temps est proche. Mais, mère, n'es-tu pas au courant où veut la princesse est dans la douleur? Elle est vraiment en souffrance. Elle souhaite être libre de toute la malédiction de Ouga. Oh, manipulation. Vraiment de manipulation. Rien n'est caché devant le Dieu. Mais cela est important. Elle devient plus forte par le prix du sang. Mais très bientôt, ils paieront. Je le ferai payer. Agumai, j'ai confiance en toi. Je sais ce que tu peux faire. Okumai. Le plus grand de toutes les sorcières et de tous les sorciers. Mais voici présent. Pour le rituel de la coupe, des cheveux. Une grosse tête n'est lourde que lorsque le coup n'est pas assez fort. La prêtresse de notre terre, l'aveugle des humains, mais qui voit par la puissance du Créateur au-delà de l'entendement des hommes. Nous nous humilions devant toi, moi, notre mère. Aujourd'hui, c'est le jour du marché et je dois prononcer ma bénédiction sur la terre. Et l'esprit de mes mères seront apaisés. Dirigeons-nous pour l'instant à la rivière Adavo. Gloire à l'étoile du matin de notre royaume. Gloire à l'étoile du matin de notre royaume. L'esprit de mes mères, la réincarnation de Nedima, la mère de tous les orphelins. La liberté, c'est tout ce que je demande. Réponds ta bénédiction sur la terre et que ta prophétie soit accomplie. Montre-moi la voie si je suis réellement choisie par les dieux. Pourquoi pas me révéler les causes de cette calamité? Je veux savoir d'où vient tout ceci. Dis-moi pourquoi nous sommes ravagés par cette calamité. Thank you.
Oula, quoi? Qu'est-ce que je sens? Les sons! Non, 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 pas encore! Non, pas encore! Les dieux de notre terre! Pourquoi je dois être puni par un crime que je n'ai pas commis? Pourquoi tous ces signes n'arrivent qu'à moi? Ma prêtresse, pourquoi? On doit demander la clémence des dieux pour stopper tout ça. Olako, amène-moi chez mon père. Je dois le voir tout de suite. C'est bon, ma prêtresse. Et je crois aussi que ton père est en train de venir. Ma princesse. Le soleil brille sur toute notre terre. Le prix de nos pères. Tu comprends ce que je dis? Pourquoi es-tu en train de pleurer comme ça dans ton cœur? Père, même les aveugles voient la ruine qui veut me détruire. Ruine? Ah, quelle ruine? Père, ne me donne pas l'impression d'être mieux pendant que je passe par des douleurs. Et quelle douleur, si je peux demander? Regarde ma bouche. Mon corps. Encore du sang. Surtout mon corps. C'est de ça que je parle. Écoute-moi, ma princesse. C'est toi l'élu de tout le royaume de Uzana. Tout ceci provient des déités, des ténèbres, juste pour te tourmenter. Mais je t'assure, je dois aller jusqu'à la source de ce problème, même si cela me coûtera toute ma vie. Je peux te l'assurer. Père, comment les dieux peuvent me choisir? Et me laisser être puni par les divinités pour quelque chose que j'ignore. J'aurais aimé avoir une réponse pour ça. Mais écoute-moi. La chose la plus importante maintenant est que tu aies été choisi pour un rôle. Alors, il faut que tu arrêtes de te tourmenter comme ça. Calme-toi, ma fille. Arrête de te tourmenter comme ça. Tu entends? Il y aura une solution. Père, trouve juste la solution à mon problème. Bien sûr, et je le ferai. Je vais aller jusqu'à la source de ce problème. Et cela même si ça coûte la dernière goutte de mon sang. Je peux te l'assurer. Oui, je peux te l'assurer. Ramène-la à la maison. Vous comprenez? Servante, écoutez-vous. Oui, oui, ramenez-la à la maison. Okokwane, je t'ai consulté avant. Et je suis là encore, concernant le problème de ma fille. D'où vient le problème de ma fille et quelle est la solution? Voici un peu ce qui lui arrive. Pas à cause de la taille, mais à cause de la position. Toute personne qui veut caresser les parties intimes d'une femme est en train de prendre un très long voyage. Une grosse tête n'est lourde que lorsque le coup n'est pas assez fort. Toute femme enceinte et qui pollue l'air ne peut donner naissance qu'à une nuisance. Réponds-moi. Quelle est la source de son problème et où est la solution? Tu es là pour parler de ta fille. Tu sais très bien que pour les rituels qu'elle doit effectuer, elle doit rentrer au village de sa mère pour qu'elle ne te voie pas. Si elle te voit, cela sera sa fin, mais aussi ta fin à toi. Vis longtemps, la grand-mère de tous les orphelins, le vertu,
de toute femme et de toute substance. Sens en toi. Ton cœur est rempli de confusion. Tu te sens abandonné par les dieux. Et tu continues à te demander comment les choses se passent ainsi. Et à ce point, je ne sais pas où commencer. Elle a un bon cœur. Cependant, elle est punie par le Dieu. Elle fait difficilement la chasse aux animaux. Mais elle voit du sang partout sur elle. Mais on a dit que c'est là le prix du sang. Et cela doit être payé. Le prix du sang? Oh, bien, Adjelou, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que tu as? Maman! J'ai tué encore quelqu'un. Chimo! Oh bien, Julou, qu'as-tu fait? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cours comme si tu étais poursuivi par un monstre? Oudjou, si c'était un monstre, ça allait être mieux d'ailleurs. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je travaillais dans les champs aujourd'hui. J'ai entendu quelque chose. Et quand je me suis levée, je regarde comme ça, je vois personne. Et je continue toujours. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai entendu. Mais au-delà de tout, je vis quelque chose d'étrange. C'est Madi qui m'a épargné aujourd'hui. Étrange. Et tu ne sais pas comment les dire. Ils ont aussi fermé ta bouche. Eh, now? Je ne comprends même pas ce que j'ai entendu. Pourquoi tu m'obliges à dire ce que je ne crois même tu pas? Tu sais quoi? Continue à courir. Moi, je vais aller voir de mes propres yeux. Non, Oudjou, attends. Hey, tu dis dans tes propres yeux? De ce que j'ai juste imaginé. Ne va pas là-bas aussi, s'il te plaît. Pourquoi? Obiatinezé est celui qui va tuer la personne qui ira là-bas. Que notre Dieu nous épargne de ce que tu dis. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Oudjou, j'ai été victime aujourd'hui. Pourquoi tu ne me crois pas? Hein? Regarde même autour de toi. Hein? Regarde comment quoi, les choses sont. Hein? Ouga, Djougou. Tiens! Partons vite de cet endroit avant qu'il ne vienne nous tuer. C'est ici où je m'arrête. Ce chemin te conduira vers la maison de mes parents. Maman, je suis vraiment désolé d'avoir fait subir tout ça. Mais les dieux vont continuer de te garder pour moi. Thank you.
Femme, où est ton fils? Mon fils n'est pas à la maison. Je demande, mais je ne redemanderai pas. Donne-nous ton fils, ou tu meurs. Mon fils n'est pas là. Qui es-tu, femme, en te tenant devant moi? Abiajuru, le fils de Uduma, Ofunju. Où est-ce que tu t'enfuis? Tu connais mon nom? Même si tu fuis la terre de Oumé, tu ne sauras fuir devant les dieux. Rentre et fais face à tes problèmes. Sois un homme. Puisque les dieux sont avec toi, sois un homme. Rentre. Les dieux sont avec toi. Rentre. Rentre. Le plus grand de toutes les sorcières et de tous les sorciers. Je suis venu pour le rituel de la coupe des cheveux. Une grosse tête n'est lourde que lorsque le coup n'est pas assez fort. Uzoma, attends. Mmh. Oh. Hey. Oh. Uzoma, ma sœur, comment tu vas? Je vais bien, ma sœur. Uzoma, je pense que les dieux t'ont épargné de Ubioloku la fois passée. Ma sœur, merci. Je dois juste être reconnaissante aux dieux parce qu'ils m'ont sauvé de ça. Dit, attends, oh. Qui peut bien être à l'auteur de ça? Si tu me demandes, on va se tromper. Je pense que ça doit être une sorcière. Mais fais gaffe de ce que tu dis, parce que même le chief Aza ne m'a pas encore demandé. Quant à moi, je ne sais plus à qui faire confiance. Ma chère, nous devons seulement fermer nos petites bouches pour nous épargner. Tchon, 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 tchon. Obiajulu, mon ami. Atioku, le grand de ce village. Là où il y a des humains, il y a des esprits. Je te salue. Où vas-tu comme ça? Atioku, mon ami. J'étais en train de venir chez toi. Gloire au Dieu, je t'ai croisé ici. Tu venais chez moi? Oui. J'espère que tout va bien.
Achuku, le grand, je suis en train de m'enfuir à tout moment. Mes yeux sont remplis de larmes. Je suis en train de vivre différemment, Achuku. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ça ne dépend pas de celui qui court, mais ça dépend des dieux de la miséricorde. S'il te plaît, parle-moi dans les langages que je peux comprendre. Ou bien, Jolo, mon ami, tu ne dois pas avoir peur. Rentre à la maison. Les dieux sont avec toi. Rentre chez toi. Esprit de la terre de Koko, je vous remercie de me garder. Je suis venu pour découvrir d'où provient le problème de ma fille. Révèle-moi la cause du problème de ma fille et je suis prêt à payer le prix. Tu veux savoir quelle est la cause du problème de ta fille. Mais c'est toi-même qui as amené Kokwani sous ton toit. Amener Kokwani sous mon toit n'est pas supposé être la cause du problème de ma fille. Donc tu ne sais pas que tu ne peux pas manger ton gâteau et continuer de l'avoir. Oui, mais ma fille ne faisait pas partie de tout ça. J'ai servi au Koko avec honneur, avec du respect. J'ai aussi observé les sacrifices des sept vierges. Les sept vierges que j'ai sacrifiées ici. Tu as laissé la déesse de la rivière se manifester chez toi. Mais ça, c'était une bénédiction venant de Dieu à ma femme, à Azim, pour avoir été une servante fidèle de la déesse de la rivière d'Atavo. Oh oui. Tu voulais avoir un enfant. Et à cause de votre impatience, toi et ta femme, vous êtes allés à la rivière d'Atavo. Et maintenant, la déesse de cette rivière réclame votre fille. Et le jour du rituel de ta coupe de cheveux. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, ça sera ton dernier jour. Je répète, si tu ne fais pas ce qu'il faut. C'est là, sera ton dernier jour. Votre Majesté, notre oasis est en fait. Nos champs sont à sec. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en sorte que les choses ne marchent pas? Hein? C'est ça le problème. Notre prêtresse, dis-nous, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Mes anciens, mon cœur est lourd. Ces problèmes commencent à me surpasser. Le malheur devient mon partage. Ah, notre toile du matin, s'il te plaît, parle-nous dans un langage que nous pouvons comprendre. Notre toile du matin, nous devons comprendre ce qui se passe. Les choses ne s'améliorent pas. Les choses vont de mal en pire. Nous devons savoir ce qui se passe. Vraiment. Exactement, c'est tout ce que nous voulons savoir. Pourquoi tout ceci nous arrive? Mes anciens, merci d'être préoccupés par ces problèmes. Mais vous devez rentrer puisque je dois consulter ma mère. Nous devons retourner. Allons-y.
l'esprit de mes mères. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai cru que j'étais le choix de Dieu. Mais mon père est incapable de trouver la solution à mon problème. Les dieux de notre terre, sauvez-moi de ces disgrâces publiques. Ma prêtresse, je peux sentir le battement de ton cœur. Et je peux aussi sentir cette grande confusion avec les esprits. Mais je te conseillerai de le considérer comme étant un combat de la vie. Comme étant une servante de Dieu. N'est-ce pas que j'ai assez fourni d'efforts? Ne sont-ils pas fatigués de me frustrer? Dis-moi, Olako. J'en ai marre. Assez. Ma prêtresse, s'il te plaît, ne prends pas ça grave. Tout ira mieux. Olako, appelle mon père tout de suite. Ok, ma prêtresse. S'il te plaît, prends soin d'elle. Mes salutations, les sages. Olako. Les sages. Quel est le problème? La prêtresse demande de voir dans sa chambre. Je serai là dans un moment. Ok. Comment va ma prêtresse? Aizemo. L'étoile du matin de notre terre. Aizemo, la prêtresse est dans sa chambre depuis un moment déjà. Mais pourquoi elle passe tous ces moments à pleurer? Elle était réprochée par Agon. Et apparemment, cela l'a détruite. Mais je lui ai demandé de me donner un peu de temps pour que j'aille jusqu'à la source de ce problème. Jusqu'à quand, Aizemo? Combien de temps ça prendra au Dieu de revoir leur peine à toi, son père? Bientôt. Très bientôt. Mes salutations, le vieux de notre village. Oui, salutations au labo. Qu'est-ce qui retient notre prêtresse? L'étoile du matin de notre grand royaume. Actuellement, Mazokoi. C'est ça que je suis venu justement vous dire. Parle! Nous sommes là pour t'écouter. Message. La prêtresse n'est pas convenue d'être d'ailleurs aujourd'hui. Je ne comprends pas là. Comment est-ce qu'elle ne se sent pas bien? Parle-nous correctement, comme ça nous allons bien comprendre. Je sais que cela va vraiment vous dépasser. Oui. Mais je veux que vous compreniez que la prêtresse est stressée et elle ne peut pas sortir. Alors, oui.
Ma sœur, notre terre est dans un grand trouble. Qu'est-ce que tu veux dire, Ujo? Regarde autour de toi. Es-tu la seule à ignorer ce qui se passe dans cette communauté? Ok. N'es-tu pas au courant des morts subites qui emportent les gens ces derniers temps? N'es-tu pas aussi informée de l'état psychologique de la prêtresse? Elle est dans un état très critique. Chimo! Mbambamba, Ujo, qu'est-ce que tu veux dire? Ujo, où est-ce que tu as ramassé cette information-là? Et pourquoi je n'ai pas entendu parler de ça? Hein? Ma sœur, c'est comme vous le savez tous, je n'ai jamais été dans le commérage. Tu peux me croire si je te dis ceci. Et à la manière dont les choses évoluent, elle peut succomber. Oui! C'est probable qu'elle s'éteigne. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas, Ujo. Pourquoi elle veut faire ça? Hein? Pourquoi elle veut le faire? Je l'ai toujours dit plusieurs fois. Il faut être prudente avec la façon dont tu ouvres ta bouche devant les autres. Parce que les murs ont des oreilles. Oh. Le mire ont des oreilles. Ujo. Je sais. Mais tu ne dois pas aussi oublier que c'est une affaire qui nous concerne tous en tant qu'une communauté. Même nos anciens sont inquiets. Oui. Attends, si ce que tu dis est vrai, que veut dire on a vraiment un problème dans notre village? Il y a quelque chose. Mais pourquoi son père ne trouve pas une solution pour ça? Hein? Les dieux de nos ancêtres, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cette torture? C'est la raison pour laquelle je suis lunatique. Je suis en train de penser comment rentrer chez mes parents avant que les choses ne s'empirent. Puisque en voyant comment les choses se passent, j'ai peur. Il n'y a aucune amélioration. Et la condition de la prêtresse ne change pas. Ah, c'est pitoyable. On peut mais aller. Ouvre-toi. Ce que je sais, pour être sûr, est qu'il n'y a pas un moyen que les dieux de nos terres nous épargnent ou nous fassent sortir de cette condition. Ici? Ujo, il n'y a pas question que nous sortons de notre village d'origine. Ma prêtresse. Chimo. Ma prêtresse. Hey! Où comme moi? Réveille-toi! Où comme moi? Ma prêtresse! Hey! Qu'est-ce qui s'est passé? Aisez-moi! Ah! Ah! Tu veux à bon quoi? Ou une bêtise? Comment peux-tu venir dans ma chambre de cette manière? Comment ça? Aisez-moi, je suis désolée de venir vite dans ta chambre. Mais l'état de Oukou, moi, s'empire. Ça demande ta présence. Son état? Mais c'est quel état? A-t-elle développé une autre forme de ses dépressions habituelles, c'est ça? Aisez-moi, je serais contente si tu me suivais dans sa chambre. Chimo, prêtresse, réveille-toi. Elle est morte. Ma prêtresse.
Mais non, c'est pas vrai. Ma prêtresse. C'est comme ça que le Dieu te remercie, ma prêtresse. Écoutez-moi, oh. Écoutez-moi. Les gens de notre royaume, notre étoile du matin a rendu l'âme. 33 jours, personne n'ira puiser de l'eau à la rivière, comme la tradition l'exige. Ceux qui ont des oreilles, entendent. Écoutez-moi, oh. Écoutez-moi, les gens de notre royaume, notre étoile du matin a rendu l'âme. 33 jours, personne n'ira puiser de l'eau à la rivière, comme la tradition l'exige. Ceux qui ont des oreilles, entendent. L'étoile du matin du royaume de Osama. Donc c'est comme ça que tu nous quittes. Pourquoi elle a pu nous quitter, hein? Pourquoi elle a pu nous quitter dans ces terribles moments dans notre village? Tu es en train de nous poser des questions? Depuis quand déjà le messager est passé sans toutefois nous donner de mauvaises nouvelles dans ce village? C'est ça qui veut vraiment dire que tout ne va pas bien. Je commence à être effrayée pour tout ce qui se passe. Personne n'est encore en sécurité. S'il vous plaît, dépêchons-nous pour descendre la rivière et puiser de l'eau. Avant que le soleil ne se couche. Biko. Hein, Oudjou, qu'est-ce qu'il a dit? Comment ça? Vous ne savez pas que personne d'entre nous est permis d'aller à la rivière et puiser de l'eau pendant tous ces temps. Hey. Ça veut dire quoi? Rien du tout. Où est-ce que tu as entendu cela? Je pense que toute personne ici a l'obligation de le savoir. Et d'ailleurs, vous êtes la seule personne à connaître la tradition de ce village. Regardez celle qui parle. Sens-toi à l'aise. Vraiment. Non, je ne me sens pas bien. Ok. Vous savez que la mort de la prêtresse m'avait vraiment effrayée. Et même mon père m'en avait averti. Surtout, il ne faut pas aller faire la lessive dans cette rivière après 3 jours. Et je pense que si je vais dans cette rivière pour faire la lessive, je ne reviendrai plus. Parce que l'esprit de la prêtresse se met au-dessus de la rivière. Et j'insiste sur ce qui était dit. Après le 7e jour de son enterrement, personne ne sera épargné.
Ok. Hey! Hey, hey. J'ai juste dit hey. Es-tu sûre de ce que tu dis? Je suis très sûre. Est-ce que vous savez que j'étais déjà sur mon chemin vers la rivière avant de venir ici? Qu'est-ce que donc, le tube t'a ça dit? Veut dire que je serai morte à présent. Que les dieux de notre terre soient loués. C'est pourquoi j'avais un peu des sensations bizarres dans mon esprit. Yeah! Que nos ancêtres soient célébrés. Mais, mon souhait est que je ne vais pas perdre le gens que j'aime. C'est ça mon souhait. Je vous dis pas jusqu'à ce niveau. Pico pas. Mon seul souhait est que je ne peux pas attendre que tout ce qui se passe dans notre village prenne fin. Nous pouvons paisiblement rentrer dans notre normale vie. Je suis fatiguée de tout ça, honnêtement. Mes chers, que les dieux de notre terre nous en épargnent. Tu as tout dit. Anciens du royaume d'Uzama. Aïe des dieux, je vous remercie infiniment d'avoir honoré mon invitation. La mort m'a complètement déchiré en me prenant mon bijou, ma princesse, tout ce que j'avais, ma seule fille. On l'a aussi prise de tous les royaumes des Uzama. Mais les dieux nous ont donné. Et ils ont aussi repris. Devons-nous les interroger? Non. Non. Je suis peiné profondément. Mais il n'y a rien que nous puissions faire que d'accepter cela dans la paix. Et enterrer notre défunte au septième jour de sa mort. Mes anciens, je vous remercie encore. Merci d'avoir répondu présent. Aïe des dieux. Aïe des dieux. Aïe des dieux. Salutations, la grande servante de Okukwane, la mère de toutes les sorcières. Je n'ai jamais expérimenté ta visite à une telle heure du jour. Pendant les 20 ans que je t'ai servi, alors à quoi dois-je cette apparition? Comment oses-tu me battre? Comment oses-tu enterrer le corps de ta fille le septième jour? Qu'est-ce que je pouvais faire? Dis-moi. Écoute, Mba, le corps de ta fille doit être enterré avant le septième jour, après le jour de sa mort. Mais pourquoi dois-je faire cela? Ma fille est morte à cause de ma stupidité et de mon impatience. Alors je pense qu'elle mérite un enterrement honorable. Ferme cette bouche, Mba. Es-tu en train de te plaindre?
on ne sert pas deux maîtres à la fois. J'ai toujours planifié de me débarrasser d'elle. Mais l'esprit de la déesse de la rivière de Tao ne me laissait pas faire. Mais maintenant, c'est le temps propice. Mais elle ne t'a rien fait du tout. Qu'en est-il des autres filles, d'autres familles que tu as mis en péril? Ta fille n'est pas morte. Tu dois l'enterrer avant le septième jour. Ainsi, tu vivras une longue vie, mais si tu la gardes jusqu'au septième jour, elle sera ressuscitée. Et elle s'élèvera contre nous. Ainsi, tu mourras. Enterre-la avant le septième jour. Mais je l'ai vu dans ses yeux que je dois faire ça. Es-tu en train de douter du pouvoir de Ukukwani? Non, mais... Il n'y a pas de mais. J'ai parlé. Uzoma, la façon dont tu m'appelles, espérons que tout aille mieux. Tout ne va pas bien, Ouéné. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu pars acheter ces moments d'idée? Tu ne peux pas oublier que la grande partie de notre village ressemble à un cimetière. Heya, ça veut dire que tu ne vois pas cette marmite que je porte sur ma main? Il faut bien ouvrir les yeux. Imadat, je pars dans cette maison-là que tu vois chez le chef du village, hein? Tu essaies vraiment de me dire que tu ne sais pas que la prêtresse de notre royaume était passée dans cette maison la fois passée? Hey! Hey, ouais! Chez moi! Hey! Dis-moi juste que ce que tu viens de me dire, ce n'est pas la vérité. Sois vraiment sincère, Uzoma. Hey! Mais c'est ça la vérité. Et selon mon papa, la tradition dit ceci. Personne n'est permis d'aller au champ juste après 3 jours. Ma sœur. Mais depuis lors, il n'y a aucune goutte d'eau dans notre maison. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, on va mourir à la rivière. Hein? Ah. Ugoma. Tu veux me laisser aller mourir? Hein? Parce qu'on est des amis, non? Attends! Mes salutations et l'étoile brillante de notre royaume. La beauté en personne, celle qui était réincarnée entre 1949 ou 2 ans après ma mort, par-dessus tout, l'étoile du royaume de Azama. Je savais que tu viendrais. Ma vraie réincarnation, la vraie postérité de Azem, la seule et unique servante de la rivière de Atavo. Bienvenue, je me mêle devant toi la grande déesse, la vertu de toute femme, la mère des orphelins, au-dessus de toute subsistance, c'est toi. Une fois encore, bienvenue ma fille. Il fait des bars. Ezemo. Appelle tous les villageois, spécialement les guerriers, à venir m'aider à enterrer ma fille, la princesse.
du royaume de Uzama. Je suis à votre service, le grand. Mais je me demande, je pense qu'il est censé être enterré le 7e jour de sa mort. Ah! Fais ce qu'on te dit, ne pose pas de questions. Il fait débat. Ezemo. Ton devoir est de transmettre l'information. Et non de remettre en question mon autorité. Ezemo, je suis désolé. Vos désirs sont mes ordres. Tu peux partir maintenant. Partout. Je revenais juste de la maison de ton père. Viens là, j'ai quelque chose à te dire. Écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me cherches ce matin ici? Quel est le problème? Ma sœur, mes oreilles ont entendu le pire. Je ne peux même pas supporter l'abominable qui est sur le point d'arriver dans notre village. Regarde, Ujo, mon problème avec toi est que tu parles beaucoup. Quel est le problème ce grand matin? Tu sais le problème que j'ai avec toi. Quoi? Tu vois ton problème? Tu vois ton problème? C'est pourquoi j'aime rien discuter avec toi. J'aime rien discuter avec toi à propos de ce qui se passe dans notre village. Mais tu sais quoi? Mais je te pardonnerai. Oui, je t'ai pardonné parce que tu dois entendre tout ça. Tu as vraiment besoin d'attendre ça. Ok. Narratrice, je t'écoute. Ma sœur. J'étais chez moi, oh. Je ne voulais pas entendre. Je ne voulais rien attendre, oh. L'histoire s'envolait. Je ne sais pas comment, mais cela s'envolait. Jusqu'à ce que cela parvienne dans mes oreilles. Wow! Je revenais de la forêt, là où j'étais allée déféquer. Ma sœur, je me suis décidée de suivre l'ancienne route, derrière les temples d'Okukwani. Tumo, ne me dis pas que tu es allée au temple redouté d'Okukwani. Cela n'arrivera pas. Où? Est-ce que tu espionnes les grands prêtres? Mais ce n'est pas le cas. Tu sais, on dit que le mur a des oreilles. Oreilles? Ok. Alors j'ai décidé de joindre mes oreilles au mur. Et tu sais ce que j'ai entendu? Comment oses-tu me demander ce que tu as attendu, tandis que tu vas me le dire? Tinea, ce n'est pas là le problème. J'ai entendu les grands prêtres donnant un ordre à Ife Duba d'appeler tous les villageois afin de l'aider à enterrer la prêtresse après-demain. Ouh! Hey! Abomination! Tu es sûr que le grand prêtre a dit cela aux villageois? Hey! Tu veux dire, tu as vraiment entendu Nain Mba nous envoie à ne pas pleurer Ise Duba? Oh, mais ce n'est plus du commérage. Tu l'attendras par le messager avant le coucher du soleil. Hey! Hey! Abomination! Mais... sois prudente, oh. Comment je saurais que tu me dis la vérité? Et moi, j'ai déjà crié.
De toutes les façons, Oudjou, je parlerai avec le grand prêtre. Hein? Ne t'inquiète pas. Hein? Ne l'essaye même pas. N'essaye pas. Hein? Ne l'essaye même pas. N'ose pas me confronter à cette fille. S'il te plaît, tu sais comment elle parle. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je dis? Ok. Ce que je dis est que elle va courir chez les grands prêtres m'accuser. Tu sais ce que cela implique? Je ne veux pas que quelqu'un m'affronte avec les grands prêtres. S'il te plaît. Je ne veux pas de problème. Tu m'as bien entendu? Oudou, tu as raison. Oh. Tu as raison. De toutes les façons, tu es mon ami. Je ne dirai à personne. Hein? Mais je verrai comment les choses iront. Hein? Tu n'as rien dit quelque chose aujourd'hui. D'accord? Ah, Gwan. Bye. Bye. Derrière nous. S'il te plaît. Il n'y a pas importe qu'il vienne nous tuer. Qu'avons-nous fait pour mériter tout ceci? Qu'il vienne nous dépeupler. Qu'il vienne nous tuer tous. Oudjou, s'il te plaît, allons-y. Oudjou, s'il te plaît, lève-toi. Allons-y, allons-y. Il peut être derrière nous. Oudjou, s'il te plaît, allons-y. Oudjou, s'il te plaît, lève-toi. Allons-y, allons-y, s'il te plaît. Cet endroit n'est pas trop sûr pour nous. S'il te plaît, allons-y. Si on arrive chez eux, on pourrait bien en parler. Hey, s'il te plaît. J'arrive justement par quoi ce qui nous arrive. Que les dieux viennent nous ravager tous. Qu'ils viennent nous ravager. Ogo, s'il te plaît, lève-toi, allons-y. Il peut être derrière nous. Lève-toi, allons-y. Allons-y. J'en ai marre de cette vie, j'en ai marre. S'il te plaît, lève-toi, allons-y. Je pense qu'il peut s'enfuir. Il n'y a pas d'endroit où se cacher après avoir tué les gens dans ce royaume. S'il vous plaît, je suis désolé. Nous l'amenons au centre du village.
il n'y a pas de désolé pour ça. On y va. Je sens l'amertume dans ton cœur. Et je demande, qu'est-ce que je fais de mal? Pour être autant détruite par le Dieu. Mère, mon cœur est devenu comme un tombeau. La douleur est devenue ma compagnie. Essuie tes larmes, ma fille. Ta mère est venue te secourir. Merci, mère. Maintenant, regarde, j'ai vu également la chose qui te brise les cœurs. Qu'est-ce qui se passe? Hey, Azon. C'est quoi? Attends, Azon. Ce n'est pas ce que tu penses, oh. Ce n'est pas ce que je pense. Oui. Qui es-tu? Et puis quoi? Combien d'enfants m'as-tu donné? Hein? Jusqu'à quand entendrai-je? Qui es-tu? Et puis quoi? Mais mère, pourquoi moi, mon cœur est blessé? Je suis devenu l'objet de moquerie dans le village de mon père, à cause de la stérilité. Souvenez-vous de moi. Même un enfant, je ne demande pas plus. S'il vous plaît, mes mères. Nda, regarde ce que tu t'es provoqué toi-même. Et comment oses-tu me parler d'une manière aussi irrespectueuse? Est-ce à cause de ce petit pouvoir que tu as acquis de la déesse de notre rivière, c'est ça? C'est ce qui te fait croire que tu peux me défier? As-tu oublié que c'est moi qui suis le Ogou Tchouakou de ta vie? C'est moi ton mari? Tu as cessé d'être mon mari depuis le jour où tu as porté une autre femme dans notre maison. C'est ce que tu as cherché. Je t'ai préviens pour la dernière fois. Reste loin de Koukouani. Et si je te dis que la vie est une question de choix, seulement comme le salut, tu choisis qui servir. Et moi, Mbara Mbarago, le lion, je te le dis aujourd'hui, j'ai choisi de servir. Tu invoques le feu toi-même. Et quand le feu commencera à te brûler, cela te brûlera. Souviens-toi de tes propres propos. Quand les conséquences commenceront à venir, considère ça comme le résultat. Ça viendra. Je te préviens. Et si je te préviens, j'ai bien été assez clair. Cette femme commence à réfléchir comme une personne qui a perdu la tête. Très bien, nous allons voir.
Je ne peux pas reculer maintenant. Je viens encore à toi parce que tu es le Dieu qui n'échoue jamais. J'ai demandé la puissance et tu me l'as donnée en excès. Je suis venu encore pour la faveur d'un enfant Okukwane. Et cet enfant te restera à jamais fidèle. Gongo, Mba, il faut que tu poses des questions à ta femme. Elle a des informations à te transmettre. Je veux des explications. Okukwane, comment? tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Non. Hazim, où est cette femme? Pourquoi tu cries comme si tu parlais à un esprit? Écoute, si j'étais tombé d'un arbre d'Iroko, ça aurait été mieux pour moi que t'avoir dans ma maison, sous mon toit. Quoi? Qu'est-ce que tu insinues? De quoi tu parles? Hazim, à qui appartient cet enfant que tu portes? Il va falloir que tu enlèves cet enfant de ton sein. Tu as oublié. Je suis la fille dédiée de la rivière. Tu ne peux pas me tenter. Ne me tente pas. Ne me prends pas pour une lâche à cause de ma stérilité. Celui qui se bat et finit par fuir, fuit pour se battre un autre jour. N'ose jamais penser que je perds de toi. Je n'ai pas peur de toi. Vrai. Okukwane, tu es un grand dieu, le plus grand de tous les sorciers et les sorcières. Okukwane, je suis venu à toi aujourd'hui. C'est toi ma forteresse. Ma guerre est aussi ma guerre. Ta colère est aussi ma colère. Okukwane. Parle. Aujourd'hui, j'ai expérimenté un Oloborobali. Quelqu'un s'est mis en colère contre les puissances. Et qui est-ce? Hazim, ma femme. Elle a failli me tuer. Je vois. C'est tout ce qui te dérange. Le manteau de pureté. Il faut avoir le manteau de pureté. Et elle restera sans puissance. Tous les jours de sa vie. Le manteau de la pureté. Très bien. Thank you.
Okokwani. Okokwani. Le grand Okokwani. Le plus grand de toutes les sorcières et de tous les sorciers. Je te resterai toujours reconnaissant. Je te serai loyal pour toujours. Voici ce que tu m'as demandé autrefois. Il faut l'introduire dans les vases de la vengeance. Je te dirai quand tu vas me le présenter. Tes souhaits sont mes ordres. Bienvenue, ma prêtresse. Je t'en prie, comment tu vas? Ça va, maman. Hey! Va et apporte-moi de l'eau. Sois un peu vite avec ça. Vite. Hey! Hey! Je suis vraiment fatiguée. Abomination, ma prêtresse. Le symbole de la spiritualité a disparu. Qui veut dire? Va les chercher, de quoi tu parles? Je ne sais les retrouver. Ougona, où est mon symbole d'esprit? Ma prêtresse, je ne sais pas. Je pense que tu l'avais laissé là. Va me le chercher. Je t'avais laissé à la maison. Soyez vite. Cherche mon symbole. C'est quoi ce problème? Je t'ai laissé à la maison et tu me dis des bêtises. Désolée, ma prêtresse. Les dieux de nos ancêtres. Les dieux de nos rivières. Ma prêtresse, je ne sais le voir. Hey! Quoi? Mes salutations, ma prêtresse. Ingénie. Oui, ma prêtresse. On réalise tous comment est l'importance de ces symboles d'esprit dans ces royaumes. Et perdre ça, c'est comme si tu perdais la vie. Oui, ma prêtresse. Alors, où est-ce que ça se trouve? Je ne sais pas comment cela est arrivé, mais je dirai ce que je pense. Donne ton point de vue immédiatement. Je crois qu'il y a une personne qui est contre votre progrès et c'est lui qui est derrière tout ceci. Comment t'y as-tu? Oui, ma prêtresse. Quelqu'un est contre mon progrès? Oui. Et qui ça peut être? Mon mari en bas? Non. Symbole d'esprit? Je poserai la question. Je vais le confirmer. Oui, je vais le confirmer. Vous pouvez partir. D'accord, merci, prêtresse. Merci, ma prêtresse. Bas contre mes progrès. Symbole d'esprit. On sait ce qu'on a à faire, hein? N'hésite pas le trouble sur nous. Tu dis que tu sais, mais tu ne sais pas. Elle est derrière nous, on ne sait pas. Ah! Ah. Bon. Oui, ça sera fait. Okokwane, les grands. Le plus grand de tous les sorciers et de toutes les sorcières. Je te remercie. Je viens te remercier, Okokwane, pour toutes les puissances qui me sont données. Oui, tu es mon serviteur. Okokwane.
Partout un enfant pleure et pointe son doigt. Son doigt. Si la mère n'est pas là, son père est là. Okokwane, chaque fois que tu cites mon nom complètement, alors il doit y avoir un problème. Alors Okokwane, je demande, quel est le problème? Ta femme, Azim, porte un enfant qui a un lien avec la déesse et la rivière d'Outavo. Et la princesse Adja, ma pire ennemie. Et je crains que l'enfant qu'elle porte vienne me détruire Okokwane. Elle va me détruire et utiliser cette destruction. Mais maintenant qu'elle porte déjà cet enfant, que dois-je faire? Force-la d'enlever cet enfant de son sein. Okokwane, tu sais que j'ai essayé plusieurs fois de la forcer à avorter cette grossesse. Mais elle reste toujours têtue. Alors tue-la. Cet enfant ne doit pas vivre. Cet enfant ne doit pas vivre. Laisse-moi. Écoute, je t'avertis pour une dernière fois. Je t'avertis. Pour la dernière fois, je t'avertis. D'enlever cette malédiction d'enfant que tu portes. Je ne peux pas faire une telle chose. Oui. Ok. Je ne ferai pas. Ne me montre pas que c'est toi la plus têtue ici. La prochaine fois que je viens ici pour la même chose. Tu vas regretter d'être ma femme. Je le regrette déjà. Oui. Je regrette pourquoi j'étais ta femme. Oui, si tu m'éteintes pour la prochaine fois, je veux me rassurer que tu sois enterré. Écoute-moi bien. Tu n'es qu'un papillon qui prétend être un oiseau. Ça n'arrivera jamais. Hamoso, regarde-la. Tu n'es qu'un papillon qui prétend être un oiseau. Regarde-la. Hein? Laisse-moi tranquille, Mba. Va-t'en. Dégage, sorcier. C'est bon. La prochaine fois. Je sais m'éteinter. Regarde-la. Quand je reviendrai ici. Tu verras ce que je vais te faire. Regarde-la. 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 Tu ne feras vraiment rien du tout. Très bien. Je vais te donner le pouvoir. Très bien. Et je le reprendrai. Nous verrons. On verra. Très bien. Sorcier. Très bien. Amoussou. Regarde-les. Osez-moi. Reviens me tenter la prochaine fois. Tu ne feras rien du tout. Ça n'arrivera pas. On verra seulement. Amoussou, viens, essaie encore de me toucher, sorcier. Dieu de nos ancêtres. Mes mères, j'étais publiquement humiliée dans mon propre village par l'homme que j'appelle mon mari. Le symbole d'esprit a été volé. Oh, mes mères, que dois-je faire? Les larmes sont devenues mes chansons de tout le matin, mes mères.
Essuie tes larmes, ma fille. J'ai écouté tes cris. J'attendais un jour comme celui-ci. Tu n'es plus en sécurité sur la terre du Zoma. Viens. Viens. Viens, ma fille. Viens. Viens. Et pour toi, Mba, je te reviendrai. Tu ne vivras pas la paix toute ta vie. Je suis la grande déesse de la rivière de Otava. Tu auras ton compte. Tu seras brûlé par le feu. Tu seras avalé par un animal. Ton jugement sera dur. Marque mes paroles. Okokwane. Okokwane. Hein? Okokwane. Okokwane, le grand dieu. Le plus grand de tous les sorciers et de toutes les sorcières. Okokwane, l'heure est arrivée. Montre ta face. Montre ta face, maintenant. Oh, je t'avais averti. Je t'ai averti de tuer cet enfant pendant qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Mais tu ne pouvais pas. Okokwane, je peux encore le faire maintenant. Je peux encore tuer le bébé. Un enfant que tu ne pouvais pas tuer quand il était dans le ventre de sa mère. Penses-tu le tuer maintenant? Je veux un sacrifice et alors je te dirai ce que tu feras. Quel sacrifice, Okokwane? J'exige le sacrifice d'une vierge. Saison après saison. Alors, tu pourras continuer à vivre. Okokwane. Okokwane le grand. Le plus grand de toutes les sorcières et de tous les sorciers. Je viens aujourd'hui avec ton repas. Tu as demandé un sacrifice. Et me voici avec. Okokwane, viens chercher ton repas. Viens chercher ton sacrifice. Je sais que je vais obligatoirement mourir aujourd'hui. Et je prie que le Dieu accepte mon sacrifice. Mais tu dois aussi prier pour le sang. Je ne peux pas dire à une vieille femme de fermer ses jambes parce que je ne connais pas la source de son air frais. Je ne peux pas dire à une vieille femme de fermer ses jambes parce que je ne connais pas la source de son air frais. Hein? S'il vous plaît, ne me tue pas. Qui es-tu? Ne me tue pas. Hein? C'est la cause du sang que tu vois. Quiconque Obiadjulu tue, son sang sera sur ta bouche.
et pour ton aveuglement. Pour bien avoir ton ennemi, il faut bien t'en rapprocher. Donc, Mba, aime-la. Prends soin d'elle comme ton enfant. Et ça, c'est le seul accès de faire de sa vie tout ce que tu voudras. Ton ordre est décrété. Et ça, je le ferai. Apporte-moi ton héritier. Pour l'inquiémakinkembe. Et puis, il y aura un piège. Pour l'héritier. Que tu vas m'apporter ici. Fais ce que je dis. Et tu verras que tout t'ira bien. Splendide. Merci beaucoup, Okukwane. Et ça, je le ferai. Mission accomplie. Mais je pense que si on a laissé le bébé comme ça seul, sûrement ils ne sont pas loin. Il faut que je parte d'ici, rapidement, avant que ne m'attrape la main dans le sac. Les dieux de nos terres. Pourquoi je suis en train de subir tout ça? Mon seul enfant. Mais aveugle. Hey! Où en es-tu, Kumoche? Ogagige, mon enfant aveugle. Hey. Qui va t'éclairer? Le dieu de notre rivière, qu'est-ce que je fais? Je mérite vraiment ça? Les dieux de notre terre. Hey. Les dieux de notre rivière. Pourquoi mes peines durent plus longtemps que mes joies? Pourquoi vous permettez cela, mes mères? Ma seule fille Ugoma, le seul trésor que j'ai, a été frappée par l'esprit d'aveuglement et vous me regardez comme ça. «
C'est donc de cette façon que le combat était arrivé à sa fin. Mais, mère, qu'est-ce qui était arrivé à ma mère, Azim? Je l'avais rappelé Dumba pour qu'elle se repose, pour que le Dieu se décide de ta destinée. Donc, ça veut dire que ma mère est morte. Que son âme repose en paix. Hé, hey, vous avez entendu la nouvelle de l'enterrement de la fille des Émaux. Hé, hey, vraiment. Mais c'est l'abomination. Je n'ai jamais vu ce genre d'abomination encore. Jamais. Mais comment est-ce qu'il est en train de chercher à l'enterrer avant le temps? Hein? Qu'en est-il de nous? Et c'est ça la question que nous devons nous poser. Oui. Demandez qui? Quelle question? Voilà. Concernant sa fille, comment est-ce qu'il peut faire un tel acte? Ça, c'est l'abomination. C'est vraiment l'abomination. Si vraiment tu connaissais Dumba, il n'allait pas faire cela. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Celui qui ne connaît pas le masque utilise sa main gauche pour le toucher. Dumba, c'est un homme. Dumba n'allait pas rester comme ça. Il n'allait pas accepter. Dumba, l'enchanteur. Oui. C'est lui, laisse-moi te dire. Cette route amène à la maison d'Dumba. Celle-ci, vers ma maison. Viens me voir, après tu verras Dumba. Oh, tu veux que je te suive? Tu veux vraiment que je te suive? Oh, je viens avec toi. Et puis tu sauras qui est Dumba. Ne t'inquiète pas. Notre prêtresse. Guerrier du royaume de Uzama. Aujourd'hui, c'est le jour que nous avons choisi pour enterrer ma seule fille, la prêtresse du royaume de Uzama. Je vous charge maintenant d'aller accomplir cette mission. Que le Dieu soit avec vous quand vous y allez. Ma prêtresse, pourquoi? Ma prêtresse, pourquoi tu as décidé de nous faire ça? Pourquoi tu as envie de ça? Donc ça devient vrai. Pourquoi tu as perdu tout ça? Elle est partie pour de bon, mon Dieu. Onye na-ata azụ na-enweghị isi. Azụ ahụ nwere isi. Isi ngelisọ dakwa isu. Onye si ya na-alụ ụmụaka. Ọ na-alụ ụmụaka ka ọ na-alụ ụmụaka ọlụ. Okokwane, le grand, je suis venu t'informer de la bonne nouvelle que la génération tout entière de la déesse suprême de la rivière d'Outavo a été complètement balayée du royaume de Uzama. Mission accomplie. Narem, sois la bienvenue ici chez moi. Je suis heureux de te voir en ce moment de joie.
Très bien, Wumba. Tu as accompli un travail parfait. Mais nous voulons de ton héritier. Ton héritier, Mba. Ton ordre est décrété, Inarène. Obiadjoro, les grands chasseurs. Laissez le fils de Ujuma. Qui es-tu et comment tu m'as trouvé? Les souhaits des dieux sont différents des souhaits des hommes. Tu connais la raison pour laquelle tu es ici? Honnêtement, je n'ai aucune idée. Peut-être c'est parce que je suis en train de tuer les gens. Et tu penses que tu es la personne qui les a tués? Sérieusement, je ne connais pas. Qu'est-ce que tu penses de ma vie? Aujourd'hui, les dieux se sont souvenus de toi. Je ne comprends pas là. Maintenant, rentre et restaure la prêtresse pour que ses esprits retournent dans son corps. Pensez-vous aller? Qui es-tu pour poser de telles questions? La plus grande créature du royaume d'Azama. C'est lui qui a sacrifié sa sœur unique pour plaire à la déesse Danta. Et je vous ordonne de rentrer dans vos maisons. Jamais. Tu es en retard. Jamais. Jeune homme de notre royaume. S'il te plaît. Ne me tente pas. Guerrier, allons-y. Retournez dans vos maisons, maintenant. Partez. Ma fille, tu dois rentrer au royaume de Uzama. Va au sanctuaire de Kokwane. Récupère les symboles de la pureté de ces soi-disant ton père. Toi seul peux les récupérer. Je suis aveugle sur la terre des communs des mortels. Comment est-ce possible? C'est ça la raison pour laquelle tu as toujours été la référence d'une femme aveugle. Mais sache que tout ceci est au-delà de l'entendement humain. Pars, ma fille. Ça n'a jamais été un problème ici. Pars! Yeah.
Tu peux rire autant que tu veux, mais je te préviens, reste loin de mon sujet, sinon... Ou quoi? On t'appelle la déesse du printemps. Quel droit as-tu de venir jusqu'à chez moi et faire un tel décret? Je vais te montrer pourquoi on m'appelle le plus grand de tous les sorciers et de toutes les sorcières. Je suis la déesse suprême de la rivière d'Atavor, la déesse de la justice. Mon créateur m'a toujours instruit. Un feu donné à un enfant par son Ochi ne peut brûler qui que ce soit. Plutôt, ça ne fait que ruiner la justice. C'est ta fin, Okukwane. Je t'ordonne de prosterner. Pourquoi me prosterne devant moi? Je t'ordonne de te prosterner en moi. Tu resteras ici au sol jusqu'à ta destruction complète. Que penses-tu faire dans le sanctuaire de Okukwane? Encore moins, la fille aveugle, la réincarnation de Nedima, la postérité de la déesse de la rivière d'Ottawa. Oh, elle connaît mon nom. Et qui es-tu? Ce n'est pas la réponse à ma question. Ta question n'aura de réponse si tu ne me dis pas qui tu es. Je vois que tu es bien préparé pour la guerre. Alors, je dois te les donner. Je te donnerai la guerre en question. Tout ce que je cherche, c'est la liberté et la vengeance. La petite souris pense avoir deux ailes pour voler. Tu ne peux rien. C'est comme ma mère l'a toujours dit. Un feu donné à un enfant par son chi ne peut le brûler, mais plutôt, ça apporte la justice et la liberté. Je te prie de rester loin de mon chemin, toi, vieille sorcière. Comment oses-tu que cela est possible?
Tu es bien prête pour la guerre, je vois. Ozama est maintenant une nouvelle création, un nouveau début. Elle sera une référence des navres de paix. Il n'y aura plus de souffrance. Mes anciens, c'est comme vous les constatez avec moi, j'ai retrouvé ma vue. Oui, mais malheureusement, ma mère n'est plus avec moi pour célébrer ces jours. Désormais, la paix régnera dans le royaume de Ozama. Issé! La paix tombera encore dans le royaume de Ozama. Issé! Passez le message à tout le villageois. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.